J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unhaul. Étant donné que j'ai refait le... Voilà, j'ai refait les bibliothèques. Enfin, là ça n'a pas vraiment... Si, celle-là ça a changé. Mais il y a des endroits où ça n'a pas vraiment beaucoup changé. Mais l'autre bibliothèque a beaucoup changé. Mais bon, bref, vous verrez ça lors du vlog si vous ne l'avez pas déjà vu. Enfin bon, si jamais si j'ai mis le vlog en ligne, hein, parce que bon, pendant mes vacances, ma dernière semaine de vacances, j'ai vlogué, wow. Et bah, j'ai fait ça avec vous normalement, je dis bien normalement, hein, parce que si jamais les rushs sont dégueulasses, je les ai gardés pour moi, je vais pas vous infliger ça. Mais donc, je devais faire de la place, parce que j'avais tout en haut ici, mon dernier book haul qui était juste énorme. À insérer dans mes bibliothèques et bah, en même temps j'en ai profité pour faire un petit bon tri, hein. Et bon, quoique non, mais bon, il y a des livres que j'ai plus envie de lire, donc voilà, où j'ai trouvé des doublons, voilà, il n'y a rien à faire, donc certains seront en boîte à livres, d'autres vont aller sur ma boutique Vinted. Je vous mets juste là bah, le nom de ma boutique Vinted, donc c'est VBNB. Et pour Val Books and Beauty, voilà. Pas Viband, hein, voilà. Mais, voilà, VBNB. Et on y va tout de suite. Donc il y a du poche, il y a. La plupart c'est de l'occasion. Ouais, bah oui, forcément, hein, de toute façon. Mais ouais. Ça me tente plus, ou en double, comme celui-ci, en double. Je l'ai acheté dernièrement en grand format, donc d'occasion, hein, celui-ci, il est neuf, hein, mais il vient de chez Noz. Donc voilà, celui-là, je vais le mettre sur ma boutique Vinted. Donc La plage de la mariée de Clarisse Sabar aux éditions Charleston, donc en version poche. Je garde le grand format. Je sais pas si je vais le regretter ou pas. C'est vrai que j'ai quand même plus de facilité à lire un petit format. Mais il ne faut pas que je me pose trop de questions, parce que sinon je... Voilà. Donc sur ma boutique Vinted, celui-ci et celui-ci aussi, parce que je l'ai en grand format aussi. Et vous voyez là, j'ai encore les... Alors qu'il est en état quasi... Bah, il est... Oui, il me paraît neuf. Ça vient de chez Cash. Donc voilà, ça va partir sur ma boutique Vinted aussi. Donc de Christian Higgins, Ami et rien de plus. Voilà, chez HarperCollins Poche. Je me suis pris celui-ci il n'y a pas très longtemps. Hein, le jour où Anita envoya tout balader. De Katharina Bivald aux éditions de Noël. Celui-ci, c'est quand j'ai fait le montage où je me suis dit, tu l'aurais pas déjà celui-ci? Et si, si, je l'ai en poche. Donc voilà. Donc là, cette fois-ci, je garde le poche. Parce que j'en ai un deuxième de Katharina Bivald. Donc voilà. Ça marche bien, j'ai lu. Donc voilà. Donc sur la boutique. Je n'ai plus envie de lire de Nina Seagal. Seagal, je sais pas trop. Une petite entorse à la vérité chez Marabout. Girl in the City. Donc voilà. Je fais un petit plus rien. Donc voilà. Je vais sûrement le mettre en boîte à livres, celui-là, parce qu'il n'est pas en état super super. Donc celui-là, il va en boîte à livres. Voilà. Je ne veux plus, je ne garde plus. Donc Sophie Jomain, fais-moi taire si tu peux. Celui-ci, j'ai pas vraiment accroché avec. Étant donné qu'il n'est pas dédicacé, celui-ci, je me dis bon. Et non, ça l'a pas fait avec moi. Donc je vais le mettre en ligne, en vente sur ma boutique Vinted. Voilà. Pourtant, j'essaye de les amasser, les Sophie Jomain. Ah, nous avons une bébête qui sort de sous le lit. Qui se demande ce qui se passe. Salut! Donc, celui-ci sur la boutique Vinted. Voilà. Ensuite, en double. Voilà, donc celui-ci, je l'avais pris à Emmaüs. Mais voilà. Je l'ai déjà. Enfin, ma sœurette me l'a pris.
Donc je garde celui de ma soeurette et celui-ci, bah, il s'en va. Sur la boutique Vinted. Voilà, puis on y était neuf. Donc voilà. Donc Addict to Sin, c'est la saison 2 de Monica James. Ensuite, je n'ai plus envie de lire Peau de pêche de Jody Lynn Anderson aux éditions Wiz à Vermichel. Et en plus, je crois que c'est une saga, donc j'ai que ce tome-là. S'il faut encore que je galère pour trouver la suite, ça va encore durer des plombes. Et voilà, donc non. Voilà, je m'en sépare. Celui-ci va aller en boîte à livres. Ouais, en boîte à livres. Ensuite, de mes cabots, je n'ai plus envie de lire. Une irrésistible envie de dire oui, une irrésistible envie d'aimer. Il m'en manque un dans la saga, il me semble. Et enfin voilà, ça fait trop longtemps qu'ils sont dans ma palle et j'ai plus envie. Donc ceux-ci vont partir en boîte à livres. Voilà. Ciao. Ensuite, en boîte à livres, c'est ma belle-mère qui m'avait filé ça, je crois. De Sarah Mlinowski. Voilà. Moi et moi, vice-versa. Donc voilà, chez Red Dressing. Voilà. Ça me tente, mais pas du tout. Donc il va aller en boîte à livres. Ensuite, on retourne chez McCabo. Avec Avalon High, un amour légendaire. Il me semble que c'est une saga, ça aussi. Donc voilà, et puis c'est beaucoup trop jeunesse pour moi. Ouah, les marches, trop chelou les marches. Je sais pas si. Hein? Mais non, ça me tente pas. Ça me tente plus. Donc ça va sûrement partir en boîte à livres. Oui, boîte à livres. Ensuite, toujours de Meg Cabot. J'ai eu un moment où je voulais lire cette autrice et maintenant ça m'est passé. Donc Embrouille à Manhattan aux éditions Marabout. Celui-ci il est en bon état quand même. Donc je pense que je vais le mettre sur ma boutique. Voilà, non ça me dit plus rien. Voilà, donc je vais peut-être le mettre sur la boutique celui-ci. Ensuite on a. Ils sont combien? Beaucoup trop et pas de la même maison d'édition, donc c'est pas terrible. J'ai eu à un moment donné envie de lire de Meg Cabot, le journal d'une princesse. Là j'ai quoi? J'ai 3 tomes. Ouais, 3 tomes, il manque 4 tomes. Chez c'est chez qui ça? Hachette Jeunesse. Voilà. C'est même pas les tomes qui suivent. Donc voilà. J'ai le tome 1, 4, 5, 8 chez Hachette. Et les tomes 7, 9, 10 chez Hachette. Mais pas le même. Enfin voilà, en grand format. Donc ça ne marche pas du tout dans la bibliothèque et ça me donne plus envie. Même si ça doit se lire vite, mais ça là, c'est trop jeunesse quoi pour moi. Donc, ciao, bye, bisous, bisous. On se rappelle, on se fera des fritelles. Mais là, non, j'ai plus envie. Et du coup, je sais pas du tout ce que je vais les mettre. Parce que si je mets tout ça dans la boîte à livres, ça craint. Ils sont un peu jaunis, quoi. Mais c'est pas, ils sont pas en mauvais état. Donc, je vais peut-être essayer de les mettre sur la boutique. Et si ça part pas, ben, je les mettrai en boîte à livres. Et. Pareil, encore une autre saga que j'ai pas dans la même édition. Majeure partie Fleurus. Ouais, j'en ai juste un qui est pas. Il doit m'en manquer un, peut-être de tome. Donc c'est de Nathalie Sommers. Donc pareil, c'est du très jeunesse. Le roman des filles. Donc voilà. Le tome 1, il doit y avoir le tome 2, tome 3. Mais il doit m'en manquer. Il doit m'en manquer un. Là, il y a le 4. Bon alors il y a un problème. 1, 2, 3. Ah si, c'est ça. 4. 5. Moi j'ai 5 tomes, mais je pense qu'ils sont pas. Ils doivent me manquer quand même un entre deux. Donc. Mais bon, ils sont en bon état. Voilà quoi. Un petit peu jauni. Et voilà, ça va partir aussi sur la boutique, je pense. Je vais essayer de faire ça juste après. Histoire de. Voilà. Faut que je fasse ma vaisselle et après, j'irai mettre dans la boîte à livres les autres. Petit chat! Mimi, ça va ma puce? Oh, elle a une tête. Maminette. Coucou. Coucou ma puce. T'as fait une bonne sieste?
Oui, c'est maman t'a réveillée. Oh, tu faisais des vidéos. Oh, elle était vilaine, ta maman. T'es pressée qu'elle reprenne le travail, hein, avoue. Pas moi. Moi, je veux rester là pour t'embêter, Bella. Bon, ben voilà. C'est tout. Ouais. Faut pas non plus. Non, les autres, j'arrive pas à me débarrasser de mes bébés. Donc voilà pour mon unhaul. Voilà. Donc s'il y en a certains qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir sur ma boutique Vinted. Et voilà. Sinon, bah, si vous habitez pas loin d'Amiens, boîte à livres. Mais bon, bref. Je vais vous laisser là. Je vais sûrement filmer mon bocal du mois, juste derrière. Parce que bon, ils sont juste là et je vais pas en racheter ce mois-ci. C'est pas prévu. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change un peu des book hauls, voilà. Mais bon, ça reste dans l'univers d'Ivresque, hein, voilà. Pour ceux qui sont pas, qui me suivent pas pour ça, je suis désolée, mais bon, en ce moment, c'est plus bouquin qu'autre chose. Je suis désolée, mais non, j'arrive pas. Enfin, si, je me suis fait les ongles hier soir, mais bon, j'ai juste mis du vernis, hein, j'ai pas fait de déco. Hein. J'étais un peu fatiguée. J'ai fini, il était 23h30 déjà. Je vais peut-être faire du déco sur celui-ci. Bon, je vais peut-être arrêter de blablater, je pense que ça suffit maintenant. J'ai toujours cette coupe de brun. Voilà, mes cheveux qui n'en font qu'à leur tête. Voilà, fais suer. Je vais me raser la boule, je pense. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Ça aura changé. D'habitude, c'est la première fois que j'en fais un. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à aller me soutenir via Utip. Et moi, je vous fais d'énormes bisous et prenez soin de vous. Ciao!